Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Aujourd'hui, votre chronique Actu Sport spéciale handball avec Dorian. Et Dorian, on le retrouve en direct de Suisse, exactement à Schaffhausen. Bonjour Dorian. Bonjour Jérôme. Alors, on est en direct ici depuis Schaffhausen où l'équipe de l'USM Nîmes-Gard va jouer ce soir sa journée de l'European League. On est avec Michael Guigou, retraité, capitaine de l'équipe de France de handball, joueur à l'USM Nîmes-Gard qui fait sa dernière saison. Michael, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Ravi en tout cas d'échanger avec vous parce que ce soir va avoir lieu une journée qui peut être déterminante sur la suite évidemment de cette compétition européenne. On sait que l'USAM vise un quart de finale. Bon, ce soir ça va être un gros match. Ouais, bon, on s'est replacé sur la dernière journée donc suite à notre défaite contre Athènes à la maison, mais on voit que c'est une poule qui reste ouverte, donc à nous de prendre le bon wagon et de continuer un peu sur cette lancée. Ce sera pas simple, hein. On va jouer une bonne équipe chez elle, mais je pense qu'on est capable de gagner ce match. Il y a une dynamique retrouvée aussi dans ce groupe où il y a eu un moment, comme dans tous les clubs, et c'est toujours compliqué parfois dans une saison. Mais là, on a un USAM retrouvé avec de belles valeurs sur le terrain et un très bel état d'esprit. C'est ce qu'on essaie de faire. Et après, on ne joue pas forcément tout le temps très bien, hein, notamment sur le dernier match contre Créteil où on s'en sort grâce au caractère plus que grâce à notre talent, en étant mené tout le match. Mais en tout cas, ça montre la bonne dynamique dans laquelle on est. Après cette victoire contre Chambéry, contre Lisbonne et ce match nul à Créteil au final qui est plus un point de gagné qu'un point de perdu. Donc voilà, on essaie avec le retour de Brian Niateux aussi de le réintégrer progressivement dans l'équipe et de continuer à progresser, continuer à faire ce qu'il faut pour marquer des points à la fois en championnat et en championnat de France et en coupe d'Europe. On vous a vu du coup hier dans l'analyse vidéo, c'est aussi important quand on joue des équipes qu'on ne joue pas aussi par rapport à d'habitude. Bon, il y a une complexité évidemment en Coupe d'Europe, c'est la particularité, mais finalement c'est ce qu'on aime aussi en tant que compétiteur. Ouais, c'est une équipe avec des joueurs qu'on connaît quasiment pas. En tout cas, moi, j'en connais pas beaucoup. Et c'est sûr qu'il faut être vigilant. Il faut regarder ce qu'on a fait, ce qu'on doit améliorer par rapport à nos derniers matchs. Et on doit aussi pointer ce qui doit être fait, ce qui doit être surveillé sur une équipe qu'on connaît pas du tout, comme Schaffhausen. Et ce qui est un peu le cas de ces équipes en poule, hein, à part Lisbonne qu'on avait joué l'année dernière, mais toutes les autres équipes on connaît pas beaucoup avec peu de joueurs internationaux, en tout cas reconnus, mais des bons joueurs. Donc voilà, nous d'être vigilants et d'encaisser, d'emmagasiner toutes ces informations au maximum pour répondre intelligemment le jour du match. Merci en tout cas. Bon Jérôme, de notre côté, je pense que Michael Guigou a tout dit. On va continuer évidemment cette chronique et notamment avec le Bouillard Handball Nîmes Métropole qui jouait son dernier match avant cette grande trêve où d'ailleurs dans la maison du handball où on était il y a quelques jours, elles allaient intégrer un stage de préparation pour eux aussi se préparer pour les différents enjeux internationaux pour cette équipe de France de handball féminine. De Delphine Sandré obtiennent un match nul 32-32 face à Bègles et vont pouvoir tranquillement préparer la deuxième partie de saison qui s'annonce évidemment et comme depuis le début assez tumultueuse. Donc on va leur souhaiter évidemment de continuer à se préparer et à se performer pour la suite de cette saison. Merci Dorian pour cette actualité sportive en direct de Suisse et on se retrouve demain pour une autre actualité sportive dans Actu Sport.